I'm going to go to the hospital.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
notre évolution depuis des millions d'années. Maintenant, vous devez savoir que certains d'entre nous sont obligés de s'incarner dans des récepteurs terriens afin de vous aider à sauver la planète Terre de l'orgueil et de l'ignorance. Ayez confiance. Vous qui servez l'Éternel, tout n'est pas perdu. Notre conscience s'étend à l'infini. Que nous ne pouvons rien sans votre concours. Il est demandé à tous ceux qui ont compris l'urgence d'une prise de conscience planétaire de rallier sans plus tarder les archipels implantés aux quatre coins de la Terre, car vous pourrez y recevoir l'initiation à la science sacrée. Nous vous prions donc de réharmoniser vos véhicules biologiques, mentaux, psychiques et subtils, afin de capter notre longueur d'onde, qui est le canal du verbe 888. Prisonnier du temps, voici la clé de votre cellule. Il est facile de retourner à la source d'où vous venez, car le jardin des origines est en vous. Dans cet univers de matière, vous n'êtes que de simples voyageurs spatio-temporels. Ainsi, ne vous attardez pas en chemin. Œuvrez là où vous êtes. Qui que vous soyez, vous avez pour mission, si vous l'acceptez, de collaborer au sauvetage du bateau Hydre. Votre récompense sera la délivrance. Apprenez à recevoir en vous notre longueur d'onde et transmettez. Tous peuvent être sauvés. Peu que vous sentiez de vous servir mal et pétri d'ignorance, l'idée ridicule de la mort. Si vous croyez que c'est possible, alors il n'est même plus nécessaire pour vous de mourir, sinon à vous-même. Chacun de vous et entre tous les peuples de la Terre. Nous harmonisons la terrible dualité grâce au triangle de vie. Nous rachetons toutes les fautes pour peu qu'elles soient reconnues et comprises. Bientôt, ceux qui se seront rendus prêts seront appelés télépathiquement. Chacun en effet une place qui lui est propre. Chacun est une pierre du temple de l'esprit. Merci pour votre longueur d'onde. Transmettez ce message à tous ceux que vous pourrez. Adieu.